Bah, le sentiment d'abord d'avoir atteint l'objectif, on le savait, on avait deux déplacements lointains avec un voyage qui était relativement, enfin en tout cas un déplacement, des déplacements qui étaient relativement lourds, donc on s'était fixé malgré tout de, voilà, cet objectif de prendre les 6 points. Le contrat est rempli à ce niveau-là, donc voilà, l'esprit a été bon lors du rassemblement. Bah, le groupe réagit bien et tant qu'il est dans cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut être confiant pour la suite. On a 7 matchs, autant de victoires. Je crois que sur une 50aine d'équipes engagées pour les qualifications pour le championnat d'Europe, je crois qu'on est la seule avec l'Espagne à pour l'instant avoir fait le plein. Donc c'est vrai que c'est une performance qui mérite d'être soulignée malgré tout pour les joueurs. C'est aussi quelque chose qui doit les inciter à rester, voilà, dans cette logique collective, dans cette dynamique collective, parce que c'est comme ça qu'on progressera d'abord et puis c'est comme ça qu'ils se mettront en valeur. L'objectif, ce sera d'entretenir la dynamique parce qu'il ne faut jamais relâcher. Les choses, on met du temps à les construire. Par contre, c'est très facile à détruire ou en tout cas à égratigner. Donc l'idée, ce sera de garder cette dynamique-là, de continuer cette série. Même à travers des matchs amicaux, il faut se construire cet état d'esprit-là pour être exigeant et ne rien lâcher.